Salut tout le monde, c'est Katast et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Final Fantasy XIV. Peut-être qu'aujourd'hui on arrivera enfin à convaincre le vil gredin, le vil sacripant, le vilain qu'on pourra être digne de notre... de sa confiance en fait finalement. Si on est digne de sa confiance, le monsieur, eh bien, il nous laisse aller dans un endroit où on va pouvoir faire des trucs, ça va être incroyable. Et ensuite à terme, on aura la possibilité d'obtenir peut-être des indices sur l'Enterprise. Enterprise, ça vous énerve, hein, oui. Ah, je me ris de vous. Et donc, si c'est concluant, et il y a de fortes chances que ça ne le soit pas, sinon ça sera trop facile, et Dieu sait qu'ils aiment bien que ça soit juste trop pénible d'arriver jusqu'à un primordial, eh bien, normalement, on devrait arriver à terme jusqu'à Garuda, et ça sera bien. Ça sera très très bien, car ensuite, on pourra l'obtenir en tant que vocation. Suite à une magnifique quête de scénario, d'invocateur. Et ça, ce sera cool, hein, avouez. Avouez, ce sera cool! Regardez ces dégâts qu'on met. Oh là là, on n'a juste aucun... Il faut qu'on tue 6 élémentaires de glace pour le moment, parce qu'il faut qu'on prouve évidemment notre savoir-faire, notre talent et surtout notre envie d'être quelqu'un de bien, parce que il y a un vilain qui a décidé qu'il fallait pas nous faire confiance et donc du coup, il est en train de monter un petit peu tout le monde contre nous. Oh non, vous avez bien fait de ne pas lui faire confiance! Ce type-là, oui, ce type-là, il mange des enfants, je vous le dis. Et donc, il ne faut pas lui faire confiance, parce que les gens qui mangent des enfants, sans moutarde en plus, rendez-vous compte? Eh bien, c'est débile, hein. C'est pas un... Du coup, il essaie de nous faire passer pour le dindon de la face, alors qu'on... honnêtement, on sait tous très bien qu'en vrai, c'est lui. C'est lui qui a volé les Kellogg's le matin au petit Thomas, hein, n'est-ce pas? Et oui, c'est lui surtout qui a, à mon avis, manigancé le tout contre la famille Elnart, si on est un petit peu plus sérieux, et qui a volé les Kellogg's au petit Thomas, bien entendu. Voilà, donc, ce type-là, il faut qu'on le démonte, qu'on le démolisse, qu'on détruise sa réputation, qu'on dise qu'en réalité, c'est un genre de type qui commande des pizzas aux gens sans les payer. Vous savez, le mec, là, qui passe un coup de fil en mode... Vous avez bien commandé 3 pizzas? Bah non. Bah si, vous avez commandé 3 pizzas, j'ai reçu votre adresse, votre numéro, votre commande, tout va bien. Alors qu'en fait, vous n'avez pas passé de commande, sacrilège! Et que c'est votre pire ennemi qui a passé une commande pour vous, rien que pour vous emmerder. Et du coup là, vous vous dites, soit vous avez faim et vous voulez les pizzas, tant mieux. Là, j'ai envie de dire presque, tant mieux. Soit vous n'avez pas faim, et là, vous devez les payer. Et ça, c'est terrible, parce que vous ne voulez pas de ces pizzas. Peut-être est-ce une pizza au jambon? Peut-être n'aimez-vous pas le jambon, vous ne pouvez tout simplement pas en manger. Ou alors, vous êtes végétarien. Imaginez, pizza au jambon végétarien, quoi. Alors là. Et là, vous êtes obligé de la payer. Ça, c'est terrible. Après, vous pouvez toujours dire, non, désolé, hop, c'est pas possible. Mais, Dieu sait que les vendeurs de pizza, ils jouent sur le sentimental, quoi. Ouais, non, c'est trop triste, comment je vais faire? On va pas gâcher ces bonnes pizzas, voyons. Et puis là, vous dites, oh, c'est vrai, j'aime pas gâcher la nourriture. Je sais pas pourquoi je raconte tout ça. Oh, ouais. Enfin bref, c'est ce genre de type là, quoi. Le genre de type qui fait des canulars téléphoniques dans votre dos. Et il faut qu'on le démolisse parce que sinon, ouais, sinon on ne fera jamais confiance, quoi. Et je suis sûr que c'est Elnart. C'est à cause de lui que des rosaires du dragon se sont retrouvés impliqués donc à cette vilaine histoire pour démolir la famille Elnart. Ouais, j'ai envie de démolir. Démolir des gens. Et ça va passer par la démolition, évidemment, d'un vilain pas beau. Voilà, aux céréales. Bon, j'ai un peu loin. Peut-être que j'aurais pas dû m'éloigner autant, ça me... Bon, ouais, non, hein, d'accord. Ça va, je suis suffisamment proche pour pas non plus que ça soit chiant. Ouais. Il est temps de bourrin. J'adore le fait de pouvoir régénérer ces éthers, quoi. Voilà, c'est bon. Maintenant, est-on digne de confiance? On va pouvoir faire des glaces. Ça va être génial. Apporter les noyaux élémentaires de glace acide. Mais non, évidemment, parce qu'on apporte des noyaux élémentaires de glace acide afin qu'ils puissent créer des alambics, souvenez-vous. Voilà, hein. Parce que, évidemment... On n'est pas des vilains. En vrai, on n'est pas vraiment des vilains. On est un peu des vilains quand même. Mais, pas trop. Seulement le mardi. Et donc, on a décidé
à faire ses alambics, parce que le monsieur est altruiste et que du coup il a vu que les gens étaient dans la galère. Hein, et qu'il fallait évidemment sauver la veuve et l'orphelin. J'ai envie de dire pfe, je te pfeute. Tu as pu obtenir ces noyaux d'élémentaires de glace, montre-les-moi s'il te plaît. Non, ça fera 20 pièces d'or. Par. Quel appareil surprenant! Dites Sid, est-ce vraiment un alambic? Je n'en ai jamais vu de semblable. Que sommes-nous censés faire de cette machine au juste? Elle est effectivement très impressionnante, mais je n'ai absolument pas la moindre idée de la façon de l'utiliser. Quand bien même! Si cet alambic est aussi efficace que Sid le dit, il rendra un grand service à notre infirmerie. Pensez aux médicaments que nous allons pouvoir fabriquer, aux vies que nous allons pouvoir sauver! Quand même, je me demande si... Méfiez-vous des étrangers qui apportent des présents, aussi merveilleux soient-ils, car leur générosité n'est jamais gratuite. Leurs efforts servent une cause dont nous ignorons tout. Je vous recommande d'y réfléchir à deux fois avant d'accepter l'aide de ces individus qui, je vous le rappelle, ont fait obstacle au procès d'un hérétique. Vraiment? J'étais pas au courant, grand inquisiteur. Je vous remercie de nous avoir informés à temps. Nous étions sur le point de succomber à la tentation de ces incroyants. C'est lui, là, le voleur de Kellogg's. Pourquoi cet homme nous déteste-t-il à ce point? Est-ce vraiment parce que nous avons interrompu le procès de Sir Francel? Quelles que soient ses raisons, il a décidé de nous mener la vie dure. Eh bien, allons le séquestrer dans une cave pour le faire changer d'avis. Non? Bon, c'est tout nul, hein. J'en veux pas. Ça m'intéresse pas. Je vais prendre les golds. Les golds, c'est pour moi. Papa! Papa, papa, qui est accompli? Oui. Oh oh, connaître Guillaume. Sid est préoccupé par l'attitude de Guillaume. Un nouveau loot. Cool. Essayez. Non. Je pourrais pas le porter ici. C'est 39, je pourrais le porter. Je vais l'accepter. Avant de convaincre Sir Drillmond de nous apporter son aide, je pense que nous allons devoir persuader Guillaume que nous ne sommes pas ses ennemis. Mais comment faire? Nous savons presque rien à son sujet, à part le fait qu'il a beaucoup d'influence dans le Covertas. Peut-être que nous devrions essayer d'en apprendre davantage en questionnant les gens du poste de la Red Blanche. Cadast, va donc demander leur avis aux personnes que tu trouveras, puis va rendre tes comptes à Alfino dans la cour. Je suis sûr qu'il pourra te mettre une stratégie en place. Lui péter la tronche? Non, pas Alfino, à Guillaume. Franchement, ils sont pas relous, les mecs. Vous pouvez pas l'appeler Guillaume, comme tout le monde? Hein? Oh, vrai! Je suis sûr que le mec, il est ici. À tous les coups. Alboise. Sir Guillaume, je n'ai rien à vous dire, incroyant. Oui, tout le monde est au courant de vos agissements au gouffre des hérétiques. Je ne serai pas complice de ce que vous complotez contre le grand inquisiteur. S'il y a que ça pour te faire plaisir. Honnêtement, tu me fais pas vraiment peur. C'est pas parce que tu portes une cotte de maille qui couvre ton visage que tu m'impressionnes. J'en ai tué des plus dangereux que toi, ma vieille. J'ai à mon actif Ifrit et Titan. Alors te crois pas à l'abri, ça peut partir très vite, hein. Une petite bactérie dans la tronche. C'est un peu dégueu de dire ça. Sir Guillaume, le grand inquisiteur? Oui, bien sûr que je le connais, enfin. Je ne l'ai pas vu au poste de la Red Blanche depuis sa dernière visite, il y a plusieurs lunes de cela. Mes souvenirs sont flous, mais je me rappelle qu'un violent blizzard nous avait presque ensevelis sous la neige ce jour-là, et j'avais la malchance d'être de garde pour la nuit. Alors que je passais à proximité de la porte de l'Est, j'ai aperçu une silhouette vaguement éclairée par les lumières de la ville. Pensant que c'était un voyageur égaré, j'ai appelé pour attirer son attention. Je me suis alors pressé dans sa direction, mais j'ai glissé et fait une terrible chute sur un rocher. Je suis réveillé plusieurs jours plus tard dans ce lit où je récupère de mes forces, de mes blessures depuis. Bien que j'ai essayé de lui venir en aide, c'est finalement Sir Guillaume qui m'a sauvé, en transportant mon corps inconscient aux portes du poste. Je lui dois ma vie, aventurier, j'espère que je pourrai lui rendre l'appareil un jour. Eh bien, j'espère pour toi, si ce n'est pas un vil gredin, un vil sacripant. Mais je pense qu'il t'a volé tes Kellogg's, toi aussi, alors fais gaffe. Oui! Oui, oui! Patrick! Depuis que Sir Guillaume a été désigné grand inquisiteur, il n'a jamais eu autant d'hérétiques capturés et jugés. On dit que sa foi est si forte qu'il peut rester plusieurs jours sans dormir. Nous sommes bénis d'avoir un homme si bon et si généreux pour nous protéger. Ouais! Un illuminé! Encore, hein! Le genre de mec qui, quand tu croises son regard un petit peu d'une manière qui lui déplaît, te dit « Hérétique !»
Si tu oses bafouer mon doux visage avec ton regard insistant. L'archevêché, punaise, a décrété que les inquisiteurs sont les exécutants de la volonté de la déesse Alone. Nous devons leur témoigner le plus grand respect. On n'arrivera pas à Garuda ce soir, moi je vous annonce. Et parce que pour vous, c'est pas le soir, mais pour moi, ça l'est. Donc, il vous suffit de regarder. Là, soyez un peu attentifs, s'il vous plaît. Mettez des bords. Alfino. Oui, bonsoir. En même temps, t'as le corps complètement découvert sur les côtés. Que vous n'auriez pas encore remarqué, ma tenue n'est vraiment pas appropriée au climat de la région. Je ne m'en suis pas inquiété pensant que nous allions retrouver l'entreprise beaucoup plus rapidement. Au lieu de ça, nous perdons notre temps à nous mêler aux affaires locales. Peu importe, nous touchons au but. Ce qu'il nous reste à faire, c'est nous occuper de cet enquiquineur d'inquisiteur. Sid m'a dit que vous êtes allé vous renseigner à propos de lui auprès des gens du poste. Avez-vous découvert quelque chose d'intéressant? Je suis pas surpris que tout le monde lui accorde une grande estime. Malgré cela, je commence à me dire qu'il a des raisons de nous faire obstacle, que nous ne soupçonnons même pas. Racontez-moi donc plus en détail ce que vous avez entendu de la bouche des occupants du poste de la Rade Blanche Cataste. Peut-être y trouverons-nous un indice en ce qui concerne, qui nous aidera à comprendre les motivations de ceux qui aiment. Bien, merci pour ceci. Quête accomplie! Alors, je te raconterai ça, mais tu vas te calmer parce que avant cela, j'ai un petit équipement à équiper. Salut! Et voilà. Quoi que vous me direz, c'est pas si terrible que ça en vrai. C'est pas hyper swaggy, mais. Ça pourrait être pire, hein. D'autant que maintenant, nous avons la faculté de faire nos objets. Salam! J'ai l'impression que c'est moins beau, finalement, que ça. Pas compte, c'est plus raccord là, soudainement, subitement, c'est un peu plus raccord quand même en termes de coloris. C'est mon chapeau qui est terrible. C'est pour moi, non, évidemment. Toutes les classes, okay, super. C'est encore les vieilles bottines dégueu, quoi. 15 fois qu'ils nous filent les mêmes bottines dégueu. J'espère qu'au moins elles sont meilleures en termes de carac. Il y a quelque chose de troublant dans le témoignage de ce chevalier. Il assure avoir aperçu une silhouette près de la porte de l'Est, c'est bien ça? Pourtant, la voie principale mène à la porte du Sud-Ouest et je n'ai pas vu un seul voyageur passer par celle de l'Est depuis notre arrivée. De plus, ce témoignage précise bien que la silhouette était éclairée par les lumières de la ville, ce qui voudrait dire que Guillaume serait venu du nord de la porte de l'Est et non du Sud. Ce qui est impossible puisque de ce côté, il n'y a qu'un gouffre profond. Si les souvenirs de Joello sont exacts, le comportement de Guillaume cette nuit-là n'a absolument aucun sens. Je pense que vous devriez vous rendre sur place pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et peut-être que vous découvrirez quelque chose d'intéressant. Oui, là il a plus froid parce que j'en avais marre en fait. J'en avais marre! J'admets. Donc le fameux gouffre. Here is the gouffre. Hein. Regardez, il y a des mobs. Des grosses granouilles. Je suis en train d'inspecter les lieux. Il n'y a pas l'air d'y avoir quoi que ce soit d'intéressant. À moins que ce soit ça. Mais j'en doute. J'ai rushé des indices. I don't find indices. Where is the indices? Pourquoi combat-il des Nyx infernales? Oh merde! On peut sauter? J'ai pas fait exprès, c'est classe. C'est un dragon? Ah oui, bah oui, à mon avis, je sens une présence hostile. Place, oui, c'est quoi ces trucs-là? J'ai pris tellement de dégâts, quoi. Par chance, je suis un magicien. Tout va bien. N'ayez pas d'inquiétude, je gère. J'ai presque envie de laisser faire mes alliés, quoi.
amas de neige m'interpelle. Un cadavre. C'est Guillaume. Entrée en cyclique ensanglantée à Alfino. Mais c'est Guillaume, non? On dirait le corps de Guillaume. Je me trompe peut-être. Par contre, comment remonte-je? Par là. Ce dragon est impressionnant. Je veux combattre des dragons de cette impressionnantitude. Ouais, par là je peux remonter. J'ai fait un petit peu mon sauvageon, mais c'est tellement rare de pouvoir sauter dans ce jeu que j'étais en mode très choqué hein, pour le coup. J'étais en mode ah bon, ok. Ah bah d'accord. Mais en même temps, si j'avais vraiment suivi la quête et que j'étais passé par le vrai chemin qu'on m'a indiqué, c'est super beau quoi. Vous avez vu ça? C'est incroyable. Vous pensez que si je saute, je meurs? Et là, on peut plus sauter. Ah tiens, évidemment. Comme de par hasard. Il voulait pas faire des respawn. Mais c'est salaud. J'ai bien envie de découvrir cette zone. Je trouve ça juste incroyable quoi. Ah, et moi ça, comment c'est beau quoi. Ah, c'est ouf. J'adore. Faut savoir apprécier les petites choses et juste ce design est incroyable quoi. Ça me rend fou. Regardez-moi ça, comment c'est beau. J'adore. Si t'as flanc de montagne comme ça, surtout que c'est pas genre, c'est pas la petite montagne quoi, c'est genre LA MONTAGNE qui part jusqu'à 1 million de kilomètres en profondeur à peu près. Pas du tout. Mais bon. N'empêche que si j'avais suivi les instructions, je serais sorti par la sortie nord comme tout le monde et puis voilà. Et évidemment, moi je fais jamais rien comme tout le monde. Regardez-moi ça. Vous voulez vous protéger de qui avec cette hauteur là? Y a... Enfin, elle sert à rien cette hauteur. Pourquoi vous avez mis une hauteur ici pour l'enlever si jamais vous faites attaquer par l'entrée nord? Mais pff, même pas besoin d'un grappin pour escalader votre truc là, à moins que ça se relève. Ça a même pas l'air de se relever, ça sert à rien votre truc. Si, pour prendre un peu de hauteur. C'est plus haut d'un côté que de l'autre, c'est pour ça. Bah, et il fallait juste faire une rampe. Hein. Calmez-vous, quoi. Le mec qui se... La pète avec leur structure, quoi. Incroyable. Vous avez trouvé quelque chose? Je le sens. Ne faites pas durer le suspense plus longtemps, voulez-vous? Cadeau, cadeau. Au vu du contenu de cette encyclique, je dirais que vous venez de faire la connaissance du véritable Guillaume. Pauvre homme, tout juste arrivé dans le Quartas et aussitôt assassiné, ce n'a pas dû être difficile de se faire passer pour lui. Qui suspecterait un homme désigné par l'archevêque, même s'il se comporte de façon étrange. Malgré tout, même si nous avons maintenant la preuve que Guillaume est un imposteur, il nous faut encore découvrir sa véritable identité et les raisons qui le motivent à nous tenir tête. Nous devons agir vite, Quartas, avant qu'il se rende compte que nous avons découvert la supercherie. Eh bien, je prends ça, dans mon désespoir. Je suis bien obligé. Je suis obligé! C'est meilleur, donc je suis obligé. J'accepte! Je sens que la coiffe qui me réserve va être terrible. Comme Sir Drillmont a déjà été convaincu une fois de se retourner contre nous, je crains que l'encyclique seul ne suffise pas à le persuader de notre bonne foi. Mais qu'est-ce qui pourrait faire changer d'avis un homme décidé à faire fi de l'opinion de deux des quatre grandes maisons d'Ishgard? Fini a dit que Sir Drillmont est à l'écoute de ses hommes et respecte leur opinion. Si un tel chevalier pouvait nous apporter son soutien, peut-être que... Mais je crois bien que c'est notre dernière chance. Montrez l'encyclique à Joello et voyez si cela l'aide à se rappeler ce qui s'est passé exactement cette nuit-là. Connaissant la foi des Ishgardais, cela sera sûrement difficile pour lui d'accepter la vérité. Cependant, nous devons tout faire pour retrouver l'entreprise le plus vite possible. Je suis complètement d'accord. On n'aura même plus besoin de convaincre le seigneur, puisque au final, on aura démoli les arguments du vilain, puisque c'est lui le vilain. Joello ! Eh... Faut suivre un petit peu Joello, c'est le monsieur qui nous a raconté son histoire par rapport aux gens... Enfin, par rapport à sa blessure et tout, donc il est forcément encore à l'hôpital. Ici, bonjour. Oh, bon voilà, y a-t-il quelque chose d'autre que vous vouliez me demander? Cadeau, Mora. Quand un inquisiteur est un imposteur, ne soyez pas ridicule, voyons. C'est parfaitement impossible. C'est un parangon de vertu, un serviteur dévoué corps et âme à la déesse Alone. Allez-vous me faire croire que tout ça n'est qu'un mensonge? Si vous êtes si sûr que votre histoire ridicule est vraie, allez donc parler à Prunilla. Elle était à la porte de l'Est cette nuit-là et elle a aidé le grand inquisiteur à me transporter jusqu'ici. Eh bien, je m'en vais parler à Prunilla, qui je crois est à l'étage. Oui. Prunilla. Prunilla. Non. Bah, qui est Prunilla? Mais qui est donc Prunilla? Prunilla. Prunilla. Mais
Es-tu là? Es-tu là, Brunella? Non, tu es pas là. Où es-tu? Brunella? Non? Bon, bah alors c'est peut-être dehors, ou alors peut-être en dessous, alors, hein? N'est-ce pas? Tu es là, Brunella. Fou! Je ne crois pas vous connaître, laissez-moi tranquille, je vous en prie. Ça vous arrive si souvent de remettre des documents tachés de sang à des inconnus? Que voulez-vous que je fasse une chose aussi horrible? Je ne suis au courant de rien. Rien! Vous entendez? Quoi? Je ne manquerais plus que vous mettiez ma parole en doute. Hors de ma vue, vous m'avez déjà fait assez perdre mon temps comme ça. Eh bien, questionnez, Prunilla. Slash questionner. Je vais plus vite que chercher les mottes là. Ha ha ha! Vous savez tout, n'est-ce pas? Je me doutais que ce jour finirait par arriver. Alon me pardonne. Quand Joe et Lo s'est dirigé vers la silhouette, je n'étais pas loin derrière. Il n'a pas chuté, mais c'est un de ces ignobles dragons qui s'est attaqué à lui. Je suis rué à ses côtés, mais je n'ai aperçu aucun monstre. J'ai juste entendu la voix d'un homme qui venait des ténèbres. Il savait des choses sur moi, sur ma famille, que je n'avais jamais avoué à personne. Il a dit que si je gardais sous secret, il nous épargnerait Joe et Lo et moi. Qu'à contraire, tous ceux que j'aime auraient à souffrir des horreurs inimaginables avant de mourir. Quand j'ai accepté de céder à son chantage, l'homme est apparu devant moi. Porté d'une robe d'inquisiteur, mais je savais qu'il n'était qu'un imposteur. Ensemble, nous avons transporté Joël à l'infirmerie, et dès son arrivée à l'arrêt blanche, le grand inquisiteur Guillaume fut fêté en héros. Peu après, les accusations commencent à pleuvoir, et des dizaines d'hommes et de femmes de bonne foi ont été arrêtés en possession de Rosaire d'œil du dragon. Comme je craignais, elle condamnait les innocents à mort. Je pensais tout raconter à Sir Drillmont, mais je me suis rappelé les menaces qui pesaient sur ma famille, et je me suis tué. Ça se fait Sir Francel soit accusé à son tour. Il y a peu, j'ai suivi Guillaume et j'ai découvert qu'il cachait des rosaires dans un coffre dissimulé au sud-est du poste de l'arête blanche. J'en ai subtilisé plusieurs que j'ai mis dans les chargements à destination du cadenas. Comme je l'espérais, ils ont été découverts et ont permis de prouver la théorie de conspiration contre la maison Lennart. J'ai tendu du même coup le discrédit sur les récents procès. C'est la vérité, je le jure. Alon me pardonne de ne pas avoir agi plus tôt. C'est parfait, ça. C'est même parfait, parfait. J'en suis plutôt content. Une telle révélation est plutôt intéressante. Tu sais que c'est à l'extérieur, je ne pense pas, sinon. Eh bien si, dans ce cas, j'ai la flemme de refaire le tour. Bien entendu. Bien entendu. C'est par ici, la sortie. C'est censé être là, je pense. Hein. Un amas de neige de plus. Ça doit être. Ouais. Des rossaires du dragon à tous les coups. Montrer l'épreuve à Drillmont, évidemment. Vous m'avez pris pour qui? Évidemment que je m'en vais montrer l'épreuve à Drillmont. Si je ne le faisais pas, qui serais-je? Pas un aventurier, ça c'est sûr. Et puis surtout, on le fait pour nous, pour notre gueule, évidemment. Parce que faut bien savoir que sans son approbation, nous pouvons entrer dans les lieux où nous avons envie de fouiller. À l'arête blanche. Hop, hop, petit paf pouf. Drillmont, tu es encore au-dessus. Ville gredin, ville sacripant. Et après, évidemment, il va nous dire oh, j'ai toujours su au fond de moi qu'il y avait un problème. Pourquoi persistez-vous à ce point-là? Je ne vous laisserai pas entrer dans le vigile de Piaz, bien clair? Alors ceci, plus ceci devrait te convaincre. J'espère que vous avez une très bonne raison d'être en possession de ce rosaire. Et que faites-vous avec cette encyclique papale? Que dites-vous? Le grand inquisiteur Guillaume est un hérétique? J'ai jamais entendu une histoire aussi incroyable. Mais avec ce témoignage et les preuves que vous avez là, je ne vois pas d'autre explication. Katas, je vous ai mal jugé, vous et vos amis. Et je vous demande d'accepter mes plus sincères excuses. Je vais vous accorder l'accès au vigile de pierre, mais avant ça, j'aimerais vous demander votre assistance. Aidez-moi à châtier ce perfide imposteur comme il le mérite. Eh bien ouais, ça sera avec plaisir que je vais revêtir cette coiffe en laine qui ne pourra pas être pire que celle que je porte déjà. Je plaisante. Ça pourra être pire. Et c'est pire. C'est de pire en pire. Je sais pas pourquoi ils ont cru qu'un jour ça avait la classe, mais ça n'a jamais eu la classe dans aucun jeu vidéo au monde. Pourquoi vous me forcez à équiper ce genre d'éléments, quoi? Cet infâme hérétique s'est moqué de nos lois et a assassiné des dizaines d'innocents. Justice doit être faite. D'après ce que je sais, il s'est rendu à Mante-Neige pour interroger une autre personne suspecte d'hérésie. Si
nous hâtons, nous pourrons peut-être éviter une autre tragédie. Prêtez-moi votre force, Cataste, et ensemble, nous allons arrêter Guillaume une bonne fois pour toutes. Avec plaisir, je vais aller châtier ce mécréant. Je vous l'avais dit qu'il volait des Kellogg's, le mec. Ouais, ça, et faire accuser les gens des récits. C'est pareil. Faites pas vos fines bouches. Hop. Ouais, là, je suis un gros sac, c'est pas du tout roleplay, hein, on est d'accord. Du coup, attendez, contrôle-y, mante-neige. Contrôle-y. Pourquoi je fais ça? M. C'est plus proche de quoi, mante-neige? Ah, c'est un donjon. Comment vous dire que si c'est un donjon, ça va être un peu pénible? Parce qu'il me va falloir attendre. Du coup, j'ai presque envie de dire, on est à 25 minutes, on peut peut-être faire un donjon si c'est un donjon. C'est bien par là. Oui. J'ai craint de ne point être dans la bonne direction. Ah. C'est pas le moment, la souris, de me lâcher. Please. S'il te plaît. J'ai l'impression que c'est mes ports USB qui déconnent, ouais. Si vous suivez un petit peu tous les épisodes de la chaîne, vous savez que ça fait déjà 2-3 jours que j'ai ces soucis sur 2-3 séries différentes. C'est vrai qu'il décide que... Non ! Non, non, non ! J'ai pas envie ! Je boude ! Et c'est assez pénible, et sur un jeu comme celui-ci où on utilise bah, beaucoup de souris, quand même, hein. Un peu comme Minecraft. Oh, la comparaison, quoi. Eh bien, c'est compliqué de ne plus l'avoir. Sobek, est-ce un boss ? Ah ouais ? Et là, j'ai encore plus de souris. Bon, par contre, comment vous dire que j'ai envie de me faire Sobek? J'ai envie de le pourrir. C'est pour ça que je me le fais tout seul. Moi, je suis assez chaud pour dire que oui. Au pire, il y a bien des aventuriers qui vont venir par nous. Quand même niveau 40, le bousin, quoi. Ça va. En vrai, ça va. Et pas des dégâts complètement déraisonnables. Et Titan et Guy arrivent à plus ou moins le tanker. Donc du coup c'est cool. Même le Chocobo il prend pas trop de dégâts. Avant, je crois que j'avais un sort pour heal mes petits machins là. Je vais pas survivre, vous inquiétez pas. Ça me coûte pas tant de mana que ça. Au pire, je peux le prendre quand je veux. Ça, c'est bon. Le truc c'est que il risque de pas reprendre l'aggro automatiquement, c'est un peu plus compliqué. Ça va, en fait c'est le Chocobo qui a pris l'aggro. Ça fait une bonne rotation d'aggro finalement. Moi ça fait tout seul. Je pense qu'on mérite. On mérite les points d'XP là. Mob de niveau 40, on l'a fait seul. 11 270 points d'XP, c'est pas énorme non plus. C'est pas grave. Donc, ah, on a plus de flux d'éther. Alors attendez, on va peut-être attendre de régénérer les flux d'éther quand même avant de se lancer dans une quête. Juste le temps de... Ah, la souris qui se barre. Je sais pas vraiment ce qui se passe. C'est assez fatigant, cette histoire. C'est assez frustrant même, j'ai envie de dire, presque. Ok, c'est bon. Hop! Bon, ils sont agressifs, ceux-là, c'est chiant un petit peu, mais ça va le faire. Ok, ça va pas le faire du tout. Ah, on va gagner un peu de temps comme ça sur le cooldown du flux. Je me demande s'il y a peut-être pas un faux contact dans le fil.
faire le grand tour. Hein. Malgré tout, ça passe pas. On est trop bien entouré pour que ça passe le grand tour. Et bonheur qu'il y a une mission, tout ça, qu'il faut courir le Guillaume. C'est bon de vous avoir à nos côtés, Katast. Quand Sir Drillmon sera là, nous ferons face à l'Inquisiteur. S'il refuse de se laisser faire, vous employez la force. Êtes-vous prêt pour cela? Bien entendu. Il va pas être synchronisé de beaucoup, mon level. Ça y est, on fait des quêtes de notre level, c'est incroyable, hein. C'est ouf. Même pouvoir reprendre les mandats et les quêtes secondaires, quoi. Que le vertueux connaisse la paix éternelle dans la demeure de Halon et que le corrompu. Pourquoi, grand inquisiteur, pourquoi? J'ai toujours suivi les enseignements de Halon. Guillaume, écarte-toi de cette fille immédiatement. Sir Drillmon, que signifie cette interruption? Ne voyez-vous pas que je suis en train de conduire un interrogatoire? Je te déclare officiellement hérétique, assassin du véritable Guillaume et de nombreux innocents. Tu as trahi Ishgard et tes propres frères et sœurs de sang. Tes péchés sont inqualifiables et ne pourront jamais être rachetés. Je me ris de vous. Comment pourrais-je trahir un peuple auquel je n'ai jamais prêté allégeance? Non, Drillmon, j'ai bonne conscience. Comment oses-tu me parler de péché alors que tes mains sont tachées du sang de ceux dont le seul péché a été de remettre en question la croisade de ta cité? Et tu pleures les vies d'Ishgardé innocents? Ne me fais pas rire. Vous êtes tous complices de ces crimes, car vous avez pris pour parole d'évangile les mensonges de l'archevêque. Si tu veux connaître ton châtiment, Drillmon, viens à moi. Nous allons voir ce que vaut l'acier Ishgardé face aux crocs et aux griffes de Dravania. Eh bien, allons-y. Il va sûrement invoquer un Drake. On va sûrement lui pourrir sa tronche. Pas de pitié pour l'hérétique. Faites-lui payer toutes ses vies perdues par sa faute. Pauvre ignorant, votre foi vous aveugle. Je vais mettre fin à votre misérable existence. Mais il est nul. Enfin, pour le moment, il a l'air nul. Ah, il a invoqué les Vouivres. Les Vouivres. On va s'occuper des Ads quand même un peu. Ça va éviter que nos alliés ne meurent. Perdu un soldat. C'est pas chiant ça. Honnêtement, je préfère prendre l'aggro pour le moment. Je sais pas quelle est la bonne strat ici. J'essaye de jouer, hein, mais la souris, comme vous le pensez, de temps en temps bloque. Du coup, c'est pas évident. Oh, frère de Dravania, je vous en supplie, donnez-moi votre force. Wouhouhouhou, il s'est transformé en dragon là. Hein. Un peu, non? Je suis vivant! Tenez mon kata, ce n'est rien d'autre qu'une illusion. Il a l'air de mordre quand même un peu l'illusion là. Hein. C'est bien, Titan a repris l'aggro, tout me va. C'est comme ça, c'est mieux. Ah non. Tu fais face à un dragon et tu ne prends pas la fuite? Eh bien non. Tes mirages n'ont aucun effet sur moi. Quand même faire en sorte de fumer la wyvern parce que sinon ça va être chiant. Ouais, là on est pas bien en fait. On va crever en fait. Hé, le healer! Tu dors?
Je vais mourir si tu ne m'aides pas. Please. J'ai l'air con. Mort sur un petit lag, quoi. Sérieusement? C'est quoi ce healer en mousse? Le lag! Ça se trouve, j'aurais pu courir. Ouais, ouais, t'inquiète, je connais ton histoire, tout ça, si tu veux. Je t'ai vu mourir tout à l'heure, pas de soucis. Par contre, là, faut que je sois un petit peu plus réactif sur les ZAD. Sinon, ça va être vite chiant. Du coup, ils m'ont pas remis mes flux d'éther et mon. Et mon titan aigui, hein. Ah, ça! Donc, lui, en vrai, ça va vraiment le taper parce que quand il y a les ZAD. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais, Johnny? Ils sont trop nombreux, fais pas ça! Saute! Arrête dans les AOE, tu m'intéresses. Je vais couper de ce machin volant là qui m'agace. Va me replacer mes dots dessus parce que ça vaut le coup. Bien. En vrai, il est nul ce machin. J'ai mis des Wyrm, comme ça je suis tranquille. Et là, lui, il va arriver mid life et va se transformer. Moi, ce que je veux, c'est que c'est Titan qui prenne l'aggro, ça m'arrangerait. D'ailleurs, cinématique, j'en profite. Hein. Il se transforme, il va perdre les dots à tous les coups. Je vais essayer de Titan, enfin frapper en premier quand même, histoire qu'il prenne l'aggro. Titan. Moi qui veux, j'ai l'impression. Un peu chiant ça. Je sais pas pourquoi c'est mes fesses qui veut. J'ai genre 0 vie moi. Et mon tank il fonctionne pas, il est cassé. Pas, elle est cassée. Là, il y a une Wyvern qui serait intéressant, je pense, de courir. Chiant. On va essayer de jouer aussi un peu sur le placement, sinon ça devient très pénible. Silencieux, mais je suis concentré, hein, les amis. On a presque pourri le dragon. Oh non, encore! Écoute, je vais focus Guillaume. Parce que les autres m'ont l'air d'avoir suffisamment de vie pour que ce soit pas critique en fait. En plus, mon tank va pouvoir prendre l'aggro sur le chien Wyrm, à mon avis. Ça va me faire gagner du temps. Voilà, c'est gagné. Je sais pas qu'on soit absolument obligé de vaincre le chien Wyrm, mais bon. Il semblerait que si, apparemment. Bah voilà, hein, easy peasy.
Mission accomplie. Voilà, il suffisait juste d'un deuxième try, histoire de pas complètement fail. Et perdre tous nos alliés comme des nazes. Ma force disparue. Tes plans ont échoué, hérétique. Choisis bien tes paroles, car ce seront les dernières. Vous vous rappelez peut-être pas combien je gardais, j'ai fait condamner avant d'être découvert, mais les familles, elles, n'oublieront jamais. Quel plaisir d'avoir fait couler ce sang. Mon seul regret est que tu vives encore. Mais ta fin est proche, étranger. Les dragons du Vigile de Pierre te réduiront en lambeaux et iront ensuite s'occuper de détruire l'arête blanche. Aveuglé par sa folie jusqu'au bout, laissons son corps au corbeau, il ne mérite pas mieux. T'as raison. Puis il faut bien qu'ils se nourrissent, les pauvres oiseaux, quoi. Cataste, pardonnez-moi de vous avoir mêlé à tout ça. Je sais que tout ce que vous avez toujours voulu, c'est retrouver cet aéronef. Venez me retrouver au poste de l'arête blanche avec vos compagnons, il y a de nombreuses choses dont nous devons parler. Hein? Ok. Ça me va! Go, Cassos, là, parce que j'ai pas très envie du coup de me battre. Attendez, il y a quand même un truc là qui m'intrigue. C'est un donjon, on est bien d'accord. Comment y accède-t-on? Oui, comment y accède-t-on? Contrôle 12, Cassos! Salut! Ouais, bah écoutez, ça s'est plutôt bien passé, je trouve. Maintenant, du coup, on va enfin pouvoir aller à l'arête blanche. Et on va enfin pouvoir profiter de la générosité, de la bonté de notre cher allié. Drillmont. Afin de pouvoir accéder au... à l'Enterprise. Porte-nef. C'est un porte-nef, non? C'est un vaisseau, comment ils appellent ça, je ne sais pas. Eh, on peut enfin monter sur notre... cher cœur, un peu plus vite quand même. Même si on n'a pas l'impression de jouer, d'ailleurs, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Hein? Tout bêtement, on a l'air plus rapide. Oui, je sais que j'ai pas teint mon chapeau, mais je vous avoue que pour ce chapeau pourri, là, j'ai un peu la flemme de dépenser de la teinture, même si j'ai un peu de gold, on s'en fout. J'ai pas envie de dépenser mes golds dans la teinture de ce chapeau-ci spécifiquement. Hein? C'est super chiant. Ça vous perturbe hein, ça, hein, je suis sûr. Fait que j'avance de billets comme ça. Mais moi, je vois parfaitement. Je suffit que j'ai une map et tout va bien. Je peux avancer de billets. Ça ne me dérange absolument pas. Bon, sauf là, parce que je sais pas exactement où est Alfino, mais... Comment le faux inquisiteur a été vaincu? Eh bien, je suppose que c'était la seule fin possible à cette histoire. Mais bien que nous ayons enfin surmonté le dernier obstacle de cette série d'événements malheureux, il est encore trop tôt pour crier victoire. Nous pourrons nous réjouir une fois que nous aurons récupéré l'Enterprise. Déjà que c'est peuteux. Qu'est-ce qu'on peut lire? Il est temps de nous rendre au Vigile de Pierre. Allez prévenir Sire Drillmont pendant que je vais chercher Sid. Et là, Sid va avoir disparu. Il va falloir aller le chercher parce que les quêtes ne sont pas suffisamment longues pour qu'on tombe sur notre cher ami. Garuda. Après Garuda, je suis intrigué. Ne me dites surtout pas. Hein. Je ne veux pas savoir, mais après Garuda, je me demande quel. Primordial allons-nous affronter Léviathan? Ce qui est sûr, c'est que normalement on n'est pas censé affronter. On n'est pas censé. J'allais dire c'est sûr. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas censé. Donc ça veut rien dire. On peut pas être sûr et en même temps, c'est pas censé quoi. Puisqu'on n'est pas sûr en disant c'est pas censé. Bref, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas censé affronter. Comment s'appelle-t-il déjà? Mince. Celui des sylphes. J'ai un trou de mémoire là, alors que j'adore ce primordial quoi. Bref, celui-là. Vous avez toute notre reconnaissance, Katast. Grâce à vous, nous avons pu démasquer ce traître et mettre fin à ces machinations afin que d'autres vies innocentes soient perdues. Avant que d'autres vies innocentes soient perdues. Je suis vraiment désolé de ne pas vous avoir fait confiance plus tôt, pas. Alone, les héritiers de la septième aube, toujours vivants, et mettre aussi avec eux. Je crois que je n'ai jamais été aussi soulagé de m'être trompé. Le principal est que vous ayez finalement entendu raison. Vous n'avez plus aucune objection à ce que nous entrions dans le Vigile de Pierre, n'est-ce pas? Non, bien sûr que non, après tout. Ce que vous avez fait... pour ma cité, c'est la moindre des choses que de vous en accorder l'accès. Seulement y entrer ne vous posera aucun problème, c'est une fois à l'intérieur que je crains pour votre sécurité.
voulez parler de Ravania, qui sont maîtres de Servine? Oui, après votre arrivée, j'ai ordonné à mes hommes de consulter les archives. Je peux vous confirmer qu'un aéronef abandonné a été saisi par la garnison au poste du vigile de pierre après le fléau. Il était toujours en leur possession lorsque l'avant-poste a été envahi par les dragons il y a quelques années. Il est possible qu'il ait été endommagé ou détruit pendant les affrontements, mais je ne sais rien à ce sujet. Le vigile de pierre a depuis servi de point d'appui aux Dravaniens dans le Coertas, et ce stratégique leur permet de nous menacer depuis trop longtemps déjà. Toutes nos forces sont concentrées pour les repousser et tenter de reprendre le contrôle de l'avant-poste, mais malgré nos efforts, nous parvenons tout juste à les contenir. La situation est difficile et rien ne nous dit que vos hommes triompheront au Cyadrilmont. Nous ne pouvons attendre plus longtemps, vous comprenez? Non. Nous allons reprendre possession de cet aéronef sans l'aide d'Ishgar. Si le temps vous est compté, j'ai bien peur que ce ne soit la seule solution qui s'offre à vous. Je vais prévenir Nathlin de votre arrivée et que Alon vous guide, héritier. Ok. Bah, je pense qu'on va s'arrêter là, les amis, pour cet épisode. Parce que enfin, lors de l'épisode prochain, on va se rendre au Vigile de Pierre. Et ça, c'est cool. Et du coup, ça va être normalement beaucoup plus intéressant parce que ça va être la bataille, ça va être la guerre. On va pénétrer dans un endroit fort protégé qui n'a probablement pas été repris par une armée entière. Donc c'est plutôt cool. Et après ça, c'est l'envolée, c'est l'Enterprise, c'est Garuda, c'est tout ça quoi. Bon, du coup, les amis, cet épisode vous a plu, et bien n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo également, à me rejoindre sur les réseaux sociaux qui seront comme d'habitude dans la description sous la vidéo. Bon visionnage à vous, c'était Katasté, ciao, ciao.